Bon, là, il est 14h. 14h, bon, on est à la moitié de la journée à peu près. Donc, normalement, on devrait doubler ça. Si on finit à 1500, 1600, 1700 euros à la fin de la journée, ce sera une bonne journée. J'ai beaucoup d'articles manquants en stock, énormément. Donc, ça se reflète un peu sur les chiffres. C'est pour ça que c'est calme. Là, en ce moment, on est plus sur du 1200, 1300 euros daily. C'est pas énorme. Bon, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. C'est loin d'être l'objectif qui a été fixé cette année et loin du potentiel qui peut être atteint sur Amazon FBA. Donc voilà. Mais bon, quand on est en Afrique, on fait ça, franchement, on n'a pas trop à se plaindre. Bon, là ça va, les finitions. Je trouve que c'est du beau boulot. D'habitude, parfois, c'est un peu bâclé. Là, c'est propre. Je trouve que c'est bien fait. Une très belle porte. J'aime bien la porte, là. On a la cuisine. Bon, ça c'est un petit appartement avec deux chambres. Là, il y aura les toilettes. Là, on a la douche. Carrelage. Et là encore une belle chambre. Vraiment au niveau des finitions. Au niveau des finitions, le carrelage là, je trouve c'est nickel. D'habitude, on voit des choses qui sont mal finies, un manque de rigueur, comme je dis souvent. Mais là, waouh, je trouve que c'est bien fait là. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais je trouve que c'est bien fait. Juste peut-être au niveau des murs, ils auraient pu repasser un petit coup d'enduit, un petit deuxième coup de peinture. Mais sinon, ou quitte à mettre du papier peint, mais en tout cas c'est bien propre. Wow. Bon, là on est revenu. Là il est 18h30. Là on est à 1057. Mais quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on est mardi. C'est une petite journée, hein. Bon, là, je pense que ça va finir à 1200, 1300 euros. Au mieux, si possible, 1500, mais ça m'étonnerait. Bon, comme vous avez pu le voir, là, on avait fait un forage. Donc, du coup, les gens, ils profitent. Ils profitent, là, pour l'instant, on laisse. Je laisse ça, c'est ça, hein, de vouloir faire payer là tout de suite, mais normalement après ensuite je crois c'est 50 francs le bidon, un truc comme ça, ou 25 francs le bidon, bref, en tout cas c'est pas gratuit. Mais bon, là comme c'est le début, on laisse. Après, ce que je vais faire, c'est que la boutique qui sera en bas, je vais mettre des robinets comme ça directement. Lorsque les gens auront besoin d'eau, ils vont payer à la boutique et pourront se servir. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir parce que les gens ici, la plupart des gens, comme il y a beaucoup de problèmes d'eau à Brazzaville, l'eau elle coule pas. Donc ça rend service à beaucoup de personnes dans le quartier, donc qui profitent pendant quelques mois. Puis après, par la suite, d'ici le mois prochain ou d'ici 2 mois, on va devoir commencer à faire payer, hein, parce que faut rentabiliser le forage quand même, tu vois. C'est pas la charité, c'est du business.
Donc voilà, sur le bâtiment, là, le béton de propreté, c'est presque fini. Il reste juste la zone là-bas. Après, ils vont commencer à monter les briques. Donc, là. Et ensuite, une fois qu'on sera au moins au premier niveau, on va mettre l'enduit en bas directement sur les murs à l'intérieur. Le carrelage, la peinture, comme ça au moins le rez-de-chaussée sera déjà fonctionnel. Avec la boutique là, il y aura une boutique ici et là, il y aura un appartement. Voilà, ce serait autour de 15 à 20 000 pour quelque chose de bien fait, de haut standing, mais vraiment accessible à tout le monde. Parce que je sais que lorsqu'on est en France, en Europe ou même ailleurs, en Occident, quand on rentre au Congo, c'est pas facile de se loger ici, c'est très très cher, l'immobilier il est cher. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc ça va permettre aux gens de pouvoir rentrer avec des frais amortis. Voilà, bon, là on va aller à Poto-Poto, après je vais aller à la SNE, et voilà, on revient quand l'autre partie sera coulée, normalement sera coulée tout à l'heure. Bon. Il pleut beaucoup aujourd'hui. Il pleut beaucoup. Là, je vois que sur le chantier, là-bas, ils ont livré du sable. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, bon, petite journée aujourd'hui. Là, on est quel jour? On est jeudi. Le temps, il passe vite ici. Hein. Le temps passe très vite. Donc là, normalement, ils vont commencer à monter les briques sur le chantier en question, là, sur le projet. On est toujours là pour voir, pour surveiller comment ça évolue, c'est important pour que le projet se termine correctement. Mais bon, ça va, ça avance là, ces derniers jours ça a avancé. Donc voilà. Important d'être présent, surtout qu'ici quand il pleut, généralement les gens, c'est comme si le monde s'arrêtait. Donc on va aller voir sur place ce que ça va donner.